Change no fucking blouse, oh. Bitch, I make it rain, y'all. You did that. They want to know a thing about you. You still that. Alors la partie commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Oh, calme, ça fait plaisir. Ouais. Du coup, tu pourras nous dire quand est-ce qu'on pourra faire une bucette, s'il te plaît. Ouais, pas de soucis. Merci. Gentil. Je ne comprends pas, ça patine, je ne vois pas. Tu comprends pas. Ouais, mais il est bon. Ouais, les deux rangs, ils sont bons. Putain. Elle est random, elle se trouve aussi. Ouais, c'est pour ça, je peux pas les connaître. C'est pas un flic devant, j'ai cru que c'était un flic moi. Du coup je les ai pas doublés. Ah non, c'est bon, j'ai compris, c'est Death Ghost. Bah ouais, pareil. Je me suis dit, est-ce que c'est un flic en bana ou quoi? Je me suis dit, non, vas-y, je double pas, ni sa mère. Du coup la vue SAT est disponible. Sky, tu peux la faire, s'il te plaît. Du coup, vu cet entour, une personne sur le petit rond-point au niveau de, comment, de l'autoroute, le deuxième rond-point est sorti d'Édimbourg. Du monde sur l'autoroute direction Édimbourg. Personne, du monde sur la route de Bombourg direction le château de Bombourg. Ouais. Oh, j'ai entendu 1h35, j'ai directement tapé 3 rapports en dessous. 1h34, pardon. J'ai même pas pris le temps de regarder encore. Après, j'ai vu que c'était un rond. Non, la mienne n'est pas de sortie. R35 ou TRS6? Ah ouais, ça c'est galère, c'est les autres joueurs. Hein. Bah ouais. Par contre, la M4, putain, c'est vraiment une... parce que j'entends plus rien. Tu veux accélérer, hein. Ah bah... Elle crie pas mal. Putain. Attends, je te montre comment on rentre. Ouais, je sais. Là, t'es le cul, mon pote. Ouais. On a réparé tout ça. Ah mais attends, ils nous suivent toujours les deux randoms là. Putain, vous avez pas de vie, ou comment ça se passe? Parce que je regarde au sol assez basse.
Vas-y les gars. C'est toi ça, Chicha? Ouais, ah, ouais. C'est toi, ça va. Ça m'a fait archi peur. Genre, si est-ce que je tourne pas, oui, non. Ah, mais tu m'as fait flipper, gros. Parce que je savais pas trop ce que c'était. On dirait un peu la M4 des flics comme ça. Du coup, en fait, ça peut porter à confusion. Bah ouais. Parce que c'est pour ça que je l'ai pris ce soir. Exactement. Mais j'ai cru que ça en était un d'ailleurs. Sauf que ça marchera pas parce que je... Bah, moi personnellement, je sais très bien qu'il n'y a pas d'M4 ce soir. Ouais, mais ça, t'aurais pu éviter de le dire, tu vois. Mais bon, je suis là pour informer en même temps mes collègues. Ah, bah, en M4 des cas par du cul, c'est fini. C'est fini la pute. En gros, pour en faire partir du cul, il en faut quand même. Parce qu'elle accroche de ouf. J'ai pas de réglage dessus, j'ai rien. Bah non, parce que PP Perf est pas assez performant pour te dire oh bah tenez, le réglage il est fait de la voiture, hein, nickel. Et quand tu le redemandes, bah y'a plus de personne. Le réglage est déjà prêt, hein, le réglage est fait, mais on m'a jamais dit pourquoi ils avaient vendu une M4 GTS avec réglage. On m'a pas dit bah, au courant. Regarde sur les docs si tu veux. Moi j'ai récupéré la M4 GTS avec le réglage. Mais chiche, passe directement par le régleur. Ça sera du PPF quand même, mais pas directement par le régleur. C'est plus facile. Ouais. Bah oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand il a acheté la voiture, déjà c'est que par toxique, c'est pas par moi. Mais justement, oui, quand il a acheté la voiture à PPP, c'est ça, et toxique m'a rien dit. Ouais. S'il n'y a pas de communication. Eh oui, la communication, voilà. C'est la base de tout. Oh, oui, ça c'est sûr. Attention, information, il n'y a pas de braquage en courant. Putain, t'as de la chance, j'avais rétrogradé. Oh, gros, fais pas ce genre de coup, j'avais déjà commencé d'accélérer, gros. Ouais, j'avais parlé, j'ai commencé à rétrograder, je voulais faire un demi-tour. C'est parce que je suis pas loin, si tu veux, du coup, je me suis déjà un petit peu blablé. Bah, tu sais, sans mentir, sachant que vous étiez en face, je me suis dit, on sait jamais, et j'ai tourné autour un peu. C'est bon. Moi, je suis en train de réparer le gamos. Attends. Ouais. Ah, oh, c'est une. Attends, je fais un réparer. Ou quoi? Ah, je me suis, mais j'ai mal freiné. C'est ma bad. Ouais, d'accord. C'est chiant. Moi, c'est les randoms là, mais sur le système. Ouais, mais ça passe une gros, t'as vu? Le passage de rapport. C'est. Ouais. Est-ce qu'il est R8 c'est les gosses là? Ouais. Putain, il est archi calme, hein. Je sais pas si t'es dans le négatif, tu dois rattraper ou quoi, mais. Le mec il est là pour se faire de l'oseille. Bon, je sais juste d'économiser pour une maison. Ouais. Par contre, il y en a un qui s'en est bien sorti, c'est le Diablo. Avant, quand il y a... Avant qu'il soit ban, il était à moins 300 quand même. Avec une 45 AMG, il s'est retrouvé à remiser ça. Ah, chacun sa technique. T'as celui derrière là? Ouais, peut-être comme là, il y en a un qui fait le virage parce qu'il y a un groupe de héros, donc je vois rien du tout le virage. Il est encore tout à fumer quand il arrive. Ouais, ils sont. Je fais une V7. Ils sont revenus. V7. Ah, vas-y. Ouais. La voiture de merde. Ok, alors. Deux personnes à Edimbourg, dont une qui part d'Edimbourg. Une personne à haute vitesse sur l'autoroute en direction. Une autre dans le sens inverse. J'ai vu une GTR noire tout à l'heure. Je gère, c'est à quelle vitesse vous? 340. Alors, Punisher, va falloir que tu réduises un peu ta vitesse, sinon c'est moi qui vais te la faire réduire et sans tarder. Si t'es pas en poursuite, t'es censé les respecter les limitations de vitesse. J'essaie de rattraper le GTR. Ben, ça fait un moment que tu l'as pas revu à mon avis.
Ou alors, mais regarde bien ta carte quand c'est comme ça, pour être sûr. Ça serait con du coup que... Je te sneaker pour voir. Du coup, il y a deux personnes qui partent de Medkicker en direction Broadway. Une personne sur la route de Bambourg en direction le rond-point de Broadway. Je crois que c'est... Ouais, c'est tout. Fin du satellite. Mais ouais, fais bien gaffe du coup à ta carte, à voir si c'est des random ou pas avant de te lancer. Puis après, tu peux... jettes vite fait un coup d'œil, tu vas vite le voir s'il y a un point ou pas. S'il y a pas de point, c'est que c'est pas un random. Puis après, faut dire directement, dès que tu la vois passer, tu dis bah c'était une GTR ou quoi. Tu dis la GTR, elle s'arrête une fois. T'attends 2 secondes, la GTR elle s'arrête 2 fois. T'attends environ 5 secondes, la GTR elle s'arrête 3 fois, dès que tu t'engages. Là, tu... Mais pendant ce temps-là, tu bombardes quand même, quoi. Tu le gardes en vue, quoi. C'est dès que t'es en gros, c'est la première sommation, quoi. Là, faut le garder, quand même. Non, parce qu'il faut bien que tu fasses gaffe, parce que du coup, nous, on est. Enfin, on n'est pas censé voilà, savoir. Voilà, dire, c'était pendant une poussade. Voilà, mais comment. Je veux dire, de base, on n'est pas censé le savoir, du coup, que t'es en poursuite ou que t'as vu quelqu'un. Faut absolument communiquer, du coup. Pour, déjà, rien qu'avoir l'aide de tes collègues. Comment plus tu communiques tôt les infos, plus vite on pourra venir t'aider. Parce que du coup, vu que t'es au premier grade, voilà, t'as pas forcément des véhicules super efficaces, donc bon, c'était une petite comment occasionnelle sur le jeu. Du coup, ça va être beaucoup plus dur pour toi d'arrêter les gens, surtout avec les voitures qui sont en face pour l'instant. Peut-être beaucoup plus dur d'arrêter pour toi que si t'avais des voitures un peu plus hautes. Ils sont encore là, les randoms. Ouais, mais enfin, là, il en reste plus qu'un. Là. Ouais. Le col, il est pas vu la RS3. Bah alors, Sarox, c'est flic et ça croise pas les M4. Moi, je peux rien. Bah, t'es où? De là, on va dire que un petit peu positionné pour qu'il y ait un braquage. On est 7 mec, là, donc, Ah mais oui c'est juste comme ça hein. Parce que moi je suis sur son circuit ouais, dans pas longtemps. Bah il devait y avoir du monde. Il y a Saint-Tro qui a pas pu. Déjà d'une et après il y en avait un autre, il avait pas passé son permis. Ah oui. Il y avait personne pour lui faire passer. Bah on l'a vu là il y a 5 minutes avant la partie. Bah, il a mis son commentaire entre guillemets, ouais c'est ça, 5 minutes en rapporté quoi. Enfin, 21h. Pourtant, c'est pas compliqué. Non, pourtant, toutes ces publications, quand on a souvent pu finir en ancienne. Mais ouais, je suis sûr, la vidéo sera pas trop. Pourquoi? Tu me poses la question de pourquoi. Ah, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, du coup je te demande pourquoi pour. J'ai dit. Bah gros pour les gens justement qui bah juste leur reportage comme ça mais. Ah ouais. Bah, je veux dire, il y a une public qui est épinglée en permanence quand tu viens sur le page, c'est la première chose que tu vois. Oui mais ça aidera. Je pense que du coup avec le nouveau système, on en parlera après, mais ça aidera beaucoup de gens, je pense. Logiquement, oui. J'espère qu'il n'y en aura pas encore justement encore sur ce genre de points. Bon, ça veut dire que ceux-là, voilà, ce sera même pas la peine de les accepter. Mm. Et ne serait-ce que dans l'RP, ils pourront tout de suite dégager. Ça veut dire qu'ils n'auront rien lu, rien vu. Faire un minimum d'efforts. Ça suit derrière ou pas? Pas trop les rapides. À part les nuages de fumée de random, je vois rien. Mais Chicheur, en fait, t'es sûr de vouloir jouer avec moi, sachant que ta voiture est pareille? Ah bah je serais pas délai de suite, hein. Je suis pas fou. Ça aurait été que la 34, je t'aurais dit vas-y direct.
Genre là, je sais que t'es arrivé en face, tu vois. Bah tiens, l'R34, elle est arrivée une fois. La R34 deux fois. La M4, pardon, GTS. Arrête une fois. Deux fois. Trois fois. Bon, poursuite engagée sur le M4 GTS. On est à Express, mais il est où, fils de pute? Quel bâtard. Dans Express. Quoi? Je suis parti direction Express. Non, impossible. Je comprends pas. Ça va, Sorox? Ça fait 15 secondes, hein. Ta gueule. T'es arrivé. Ouais, c'est derrière. Il est caché dans les buissons, ce fils de pute. J'étais au niveau de notre circuit, donc. Il est là. M4 GTS à l'arrêt, ouais. Tout de suite, maintenant, right now. Sinon, je t'encule t'es ta mère. Une fois. De toute façon, je m'en fous, t'as rien pour prouver. T'es où? Les papiers, s'il vous plaît. Oui, bonjour, tenez, ah, monsieur. En tout cas, je l'ai retrouvé. Comment allez-vous? Ok. Ça va et toi? Ça va. Et vous, pardon? Oh, il fait... Votre tête me paraissait un peu familière. Ah oui, oui, on a déjà dû se croiser. Excusez-moi, j'ai fait un rewind sans faire exprès. Hashtag rewind dans les commentaires. Ah, après, en soi... Oh, c'était pas 15 secondes quand je t'ai vu. Ah si, 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 si. Large, j'ai le chrono. Ah, t'as regardé? Mm. J'ai mis qu'on est en bon, du coup, monsieur, je vais procéder au contrôle du véhicule, déjà dans un premier temps. Alors, du coup, la plaque du mat. Elle est bonne. D'accord. Je vais vérifier quand même au cas où. Alors, est-ce que je peux avoir votre numéro de compte du coup? Le numéro 1, monsieur. Vous avez un habit de klaxon ou... Mais non, c'est votre collègue, je le connais en fait. On va souvent boire au bar du coin. Eh ben, limite, vous faites un signe de la main ou un petit appel de phare. J'ai envie de tenter. Le klaxon, c'est réservé pour les cas d'urgence. Heureusement que j'ai le son de la voiture. Déjà, il y aura un régime moteur trop élevé. Ah non, monsieur, j'ai pas mes clés. C'est mon téléphone en fait, je mets de la musique et je regarde des vidéos. C'est pour ça, désolé. Ah c'est oui, bien sûr. Regarde des vidéos. Et les flammes à l'arrière que j'ai pu voir sortir du pot étaient de votre téléphone aussi ou... Oui. Oui, oui. Alors, oh, c'était monsieur, quoi, je suis désolé, mais je vais devoir vous amender, monsieur. Pourquoi, monsieur? Pourquoi? Parce que votre plaque n'est pas conforme. Quoi? C'est bien ce qui me semblait. Bah, désolé, mais ce véhicule m'appartenait autrefois. Mais la plaque, c'est... Il manque un Z. Mais n'importe quoi, sur le... Il y a deux Z. T'es sûr de toi? À 100%, et en plus j'ai le doc sous les yeux, mais gros, c'est du par cœur, là. Bah désolé, regarde, mais normalement... Tu regarderas même sur la photo, justement, que t'as mis. Il y a deux Z. Parce d'accord. que cette plaque-là était pour la M4 classique que d'accord. j'avais. Mais désolé, parce que bah du coup, en fait, c'est vraiment une erreur, genre sans faire exprès. Genre, je pensais qu'il y avait 15 Z. Je suis désolé, monsieur, je vais vous en faites pas, c'est pas bien grave. Je vais aller chez le garagiste, il va me les refaire tout de suite. Hein. Je suis désolé, c'était vraiment pas voulu. Tu dois rep? Oui, c'est bon. Je vais quand même continuer de. Donc, j'ai pu entendre que votre klaxon était conforme. Ah oui? Oui, c'est bon, il est conforme. Il est un peu bloqué, excusez-moi. C'est difficile, un seul. Hein. C'est bon. Il y a un peu de... Sur ce genre de voiture, ça m'étonnerait, c'est un bouton, mais de type vraiment au contact, quoi, c'est... Et je doute qu'à dire qu'à l'année de la voiture, ce soit vraiment déjà en rade, quoi. On est là ou on n'est pas du là coup, vu que monsieur... on est là pour payer, hein, du coup. J'ai un habit Clacton. Oh, monsieur, c'est bon. Avec une plaque. Non, monsieur, la plaque, non, je suis désolé. Je vais la changer tout de suite, pas pour une lettre qu'il faut amender pour une plaque, monsieur. Et nous disions un régime moteur trop élevé aussi, non? Le régime moteur, monsieur, mais pas la plaque, s'il vous plaît. Honnêtement, entre nous, c'est une erreur de garagiste. Monsieur, au contraire. C'est à votre rôle aussi de vérifier selon votre carte grise. Ah bah, monsieur, j'ai vérifié, FK71, TOSE. Ah, voilà.
J'ai pas vérifié s'il avait mis un 2Z ou pas. Pour moi, il y avait qu'un Z aussi. Hein. Oui, mais bon, monsieur. Je suis désolé, mais. Ah, vous faites votre travail. Allez-y. Ouais, j'ai pas le choix. Après, je vous mets pas de points. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Si. C'est la première fois que je vous passe, donc bon, ouais, je vais pas vous aligner tout de suite. J'ai pas vu de gros. De base, j'avais cru voir, enfin, non, j'ai pas cru voir, j'ai vu une voiture très similaire à celle-ci, du coup. Moi, j'avais une R34 noire passer à côté de moi tout à l'heure. Je suis sorti de chez moi. Non, c'était pas une R34, monsieur, c'était une M4 GTS. Ah bon? Après, c'était peut-être un autre véhicule. Mais... Oui, sûrement. Je ne pratique jamais d'excès de vitesse. J'ai des doutes, mais oui, c'est possible. Donc, bon, du coup, monsieur, ça vous fera 10 500. Et du coup, pas de problème. D'accord, bon, bah, merci, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Donc, voilà. Bah, merci, moi aussi. Merci. Puis-je avoir mes clés et mes papiers, s'il vous plaît. Bonne route, tenez vos clés et vos papiers. Merci beaucoup, bonne route à vous, monsieur. Oui. Bonne journée. Plaisir. Juste, monsieur, c'est mon plus merci, vous aussi. Au revoir. Merde, attends. Au revoir. Comme ça, je vous laisse partir. Je t'attends maison. GTS. Se fout de ma gueule yep. Ou... Eh non, non. Ah bah elle va s'arrêter sur le côté pour pouvoir répondre. Bonjour. Avec les papiers, s'il vous plaît, monsieur. Attendez, monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, vous avez eu un problème avec votre embrayage ou Ah oui, j'ai pas compté pourquoi ça... Non, vraiment, mon véhicule, comme vous pouvez le voir, est un peu abîmé. Et là, je me dirige en fait au garage pour changer l'embrayage, il est complètement raide. Et du coup, quand j'ai accéléré... C'est qui l'ARS de... qui est sur le parking? Parce que bon, monsieur... Enfin, voilà, c'est passé pour ce coup-là parce que, voilà, je suis d'humeur assez gentille. Vous avez GV aux clés, vous n'êtes pas censé bouger d'un centimètre, monsieur. Comment dire, donc du coup, vous ferez quand même attention à l'avenir. Vous ferez quand même attention à l'avenir pour éviter de patiner et de faire gueuler votre moteur. Parce oui, que même si votre embrayage est coincé, la pédale d'accélérateur, je doute fort qu'elle le soit. D'accord, monsieur. Ok. Ok. Bon, tenez vos clés, vos papiers, repartez. Merci, tranquillement. Bon, mais hé gros, va voir ailleurs un petit peu, va voir s'il y a du gibier. Non mais gros, tu repars devant moi comme un bâtard. Bon bah, 4 GTS. Tu veux jouer ou pas? Non, j'ai pas envie de jouer, j'ai envie de faire une petite livraison tranquille, s'il te plaît. Ma GoPro est Pourquoi en route. Je sais, mais bon, ton cerveau a l'air éteint par contre. Non, ça va aller pour ce coup-là, mais t'arrêtes tes conneries devant moi. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Mais tu sais très bien que c'est l'amende qui me démange en permanence, tu vois. Donc en soi, fais attention. Toi aussi, tu cherches. Tu cherches encore en plus! Bah pourquoi? Non mais tu crois que j'ai pas entendu ton Ripter? Cette voiture je la connais par cœur, en plus je l'entends à des kilomètres. Même là je t'entends d'ici. Ton demi-tour, dis-moi, c'est du fou. J'ai la flemme dans ton dos, je m'en garde une ta mère. Super. Ça rocks. Pour le prochain coup, je t'allume tout ce que je sais. Dis-moi ça, j'ai été gentil, j'ai même pas foutu ton coffre. Mais, bah, de toute façon, c'était du légal. Mais tu me casses les bonbons pour une plaque! Putain, gros, ça me casse les couilles. Mais qui n'est pas valide? Bah, non, mais je suis d'accord avec toi, hein, mais. Putain, pour moi, elle était valide de ouf. Je me suis dit, je me mets en règle et tout, comme ça, genre. Aucun Maastricht, tu vois, mais putain. Ouais, mais non, je suis pas cher. 70, mais... T'as ma voiture. Face à moi. Tu me connais, tu sais que je suis très pointilleux, tu sais que je vais chercher la moindre petite merde. Je sais, t'aurais pu vérifier les pneus. T'aurais vérifié les pneus, quoi. Oui.
d'ailleurs, dommage qu'on puisse pas le faire. T'as passé le rond-point, je suppose. On va aller faire demi-tour du coup. Attention, Cortana passe pas dans Edimbourg, il y a le Forzaton live. Forzaton. Ah. Et les verrou le Forzaton. Dans Edimbourg. Pile. Ouais, mais il passe pas sur votre circuit. Bon, ouais, il est au Comico dessus. Non mais sérieux, les PNJ qui font une vieille décale. Moi j'ai une PNJ qui spawn, c'est génial. Non mais ça va, ils se font pas, mais tu sais, ils font des vieilles décales d'un coup sur la gauche. Un petit peu. Non, il m'a spawné devant les yeux, je me suis mangé de direct du coup. Je peux le comprendre. Salut. Sky, dis-moi, tu peux faire une glissade, s'il te plaît. Non, c'est ta merde, t'as pas... C'est qui l'autre flic, attends, Lolo, c'est qui l'autre flic? Punisher. Ok, non, parce que c'est lui qui est en méga... en focus RS. Oui. Mais pourquoi? Non, t'inquiète. Pour ça. Non, parce que j'avais entendu une là, on pas compris. Je sais pas qui était qui. Bon, vu ça. Oui, j'ai pu voir lui. Je sais pas, j'ai vu un truc de Swift, j'ai vu une focus RS pour ça. Bon, vu j'ai dit vu cette. Oui, vu cette éditeur du coup. Ouais, c'était quoi, deux personnes.